Comme c'est pas une chose. Allez là-bas, Laurence. Laurence. Jordan. Jordan. Ah, Jordan. Moi, j'ai un peu Jordan. Ouais, tu as raison. Et où elle est Tu as raison de le noter. Non, Fran. Et alors, Fran, château. Quatrième. C'est bon pas. Moi, ici, c'est bon pas. Allez, nous prenons en cours un quart de finale qui oppose Patrick Herveau associé à Grégory Comel pour le CAS de Nice. Ils sont opposés à une équipe du Duc, Antoine Savona et Jordan Guigonis. Guigonis Savona mène 9 à 1 face à Herveau. Il y avait une intervention à faire. Toujours des problèmes. Allez, Patrick Herveau au point. Nous sommes un peu loin, mais on va essayer de vous montrer ça. Allez, Antoine Savona au point. C'est pareil en Australie ou en... Un point supplémentaire pour Guigonis Savona qui mène 10 à 1 face à Herveau Comel. Bon, le but est orange et pas très visible, mais bon, on le changera pour la prochaine même. Ils n'ont pas rendu les filles le but. On fait une consommation de but. Il va falloir demander à Dédé et Zélie de nous en... J'en ai un autre rouge là, tu vois, mais... J'ai essayé de glisser l'autre encore. Ils sont aussi ensemble. Non, mais c'est vrai, il va falloir être aussi. Parce que nous en fassent... Ah, beau carreau de... Comel.
Jordan Gigonis au point. Bon, c'est bon, non ? Allez. Très beau point, bravo. Voilà, on y va ? Allez. Elles sont toutes là. Oh, voilà, là, c'est parfait. Elle est là, pour comme elle au tir. Court. Pas droit. Trois boules dans les mains de Patrick Herveau. On tire le but. Oh là là. But frappé. Faites les plombs. Le but était à, le point était à lui. Il a joué quand même. Ça c'est. On lâche la partie. Il y a de ce côté parce que oui, il est allez, Antoine Savonard, trois boules en main pour la victoire. Patrick Herveau à bon dos. Cher vous. Je ne sais pas s'il a mis le deuxième. Non, non, il n'y est pas. Ah, peut-être qu'il est rentré à deux. Belle équipe du Duc, que Jordan Guigonis et Antoine Savona, deux jeunes, très prometteurs. Ciao, ciao. Apparemment, il y en a deux. Voilà qui est fait. Bravo pour cette équipe. Antoine Savona, Jordan Guigonis qui s'impose face à Patrick Herveau. 13 à 1. Bravo. Alors, remise des prix pour... On me charrie derrière, tant qu'à faire. Allez, remise des prix pour ces dames. Laurence Goulard, Cécina Lerat comme finaliste. Et vainqueur, Nadia Jabri et Patricia Lombardo. Bravo à elle.
le CAS en finale est vainqueur. Contrat rempli. Attends, tu peux pas t'arrêter pas demain, alors. Peut-être le mot. On les a de dos, mais c'est pareil. Xavier Espéja, toujours attiré par ces dames. Bravo à lui. Par ici maintenant. Oh, fais tourner, école. Fais tourner. Voilà, finaliste et vainqueur avec leur trophée. C'est super. Bravo, mesdames. Nadia veut absolument une photo avec sa présidente Patricia Lombardo. Bravo, bravo à elle. Xavier, Xavier, fais une interview. Avec Bernard, fais une interview. Oui, allez, c'est debout. On va essayer d'avoir la présidente avec ses licenciés pour une interview. C'est la rançon de la gloire. Allez, non, non, on a du monde. On a encore du monde. Non, priorité aux dames. Bah oui, priorité aux dames, aux gagnantes. Tu veux que je sois dans le plan ? J'ai bien l'habitude des micros. Mais oui, la présidente Patricia Lombardo, bah oui, grand sourire là. Oui, bah je suis ravie. Je suis ravie, ça me rappelle des bons souvenirs. Championne départementale. Exactement. C'est le premier titre ou il y en a eu d'autres des Un titre il y a 17 ans avec Nadia Djabri, ça ne nous rajeunit pas effectivement. Elle est encore là, Nadia. Voilà, ouais. On avait gagné la Ligue c'est à Grasse Pétanque. Elle se bonifie avec le temps. Voilà, c'était très bien, c'était fabuleux. Et aujourd'hui, alors je peux demander, hein, présidente de club, finale Cannes Aérosport, c'est merveilleux. Et hier, ça s'est joué chez vous. Oui, à Cannes Aérosport, ça s'est bien passé. Très bien. Ça a passé équipe au départ. 54, je crois. 54. Dans les bons chiffres. Ouais, 54. Hein. Oui, non, ça s'est très bien passé. Bon, dommage qu'il faisait très froid, mais bon, ouais. On n'a pas eu la pluie par rapport à Nice. Par rapport à ici où ça a été annulé. Ça a été annulé, donc non, c'était très bien. Il y a de belles équipes et on s'est régalé. Donc là, direction Carmo. Carmo. 8 et 9 juillet. Avec ma partenaire d'il y a 17 ans. Bon, voilà. On va suivre ça. Elle n'a pas changé. Hein. Elle fait toujours autant de carreaux. Hein. Moi, un peu plus. Un peu moins. Mais plus de guide, voilà. Président, je vous vois bien en Rolio Iglesias. Tout n'a pas changé. Non, c'est pas... c'est le petit clin d'œil. Mais voilà. Allez, The Voice, on va tous se retourner. Maintenant, on met les boules au placard pour le festival de l'international de Cannes. Oui, qui approche à grands pas. Oui, qui approche à grands pas. Un petit mot là-dessus. Oui, bah, écoute, j'espère qu'il y aura un beau plateau et que les inscriptions vont arriver. Bon, il y a quand même pas mal d'inscrits, mais il reste quand même 15 jours, donc j'espère que ça va bien se passer. Vous limitez ou il y a limité combien d'équipes? Limité à 320 triplettes, 80 équipes féminines. Et nous avons le vétéran le jeudi, le tête-à-tête pour Monsieur Alain Giraudot qui se passe le vendredi, 300 joueurs. Mmh. Voilà, et le mix et le départemental le lundi, le dimanche, le mixte. Bien, il y a beaucoup de travail. Un joli programme. Un joli programme. Bon, on sera présent. J'espère. Je vous remercie. Avec plaisir. Bravo encore, félicitations. Merci beaucoup. Merci Nadia, bien entendu. Elle est là dans son coin, elle textote. Allez, à toi. Moi, cette année, j'ai été voir ma jolie présidente et je lui ai dit cette année, on fait les qualifs ensemble. Elle m'a répondu, ouais, mais tu sais, moi, je joue pas souvent. Mais je dis, c'est pas grave, tu joues tes boules et on verra. Ben, la preuve.
on a gagné. Comme quoi, les boules... Les boules sont rondes. Voilà. Oui, parce que donc, je suis très fière d'aller avec elle au championnat de France parce que il y a 17 ans, c'était qualifié. Et je lui ai dit, on fera comme les bronzés 20 ans après. Et puis, on a réussi. Voilà. Avant les bronzés. Là, ça, du coup, c'est, pour le coup, ça rappelle d'autres chansons. Mais voilà. On va éviter pour le temps. On va pas chanter. Voilà. Denis, allez, viens par ici. Parce que un petit mot à Denis. Pour le déroulement de ce week-end, même si hier ça a été annulé, allez, un petit mot là. Alors moi je suis vraiment très très content d'arbitrer les féminines, parce qu'elles sont très 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 respectueuses du règlement, de l'habillement. Elles vous appellent monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, même quand il y a des femmes que je connais depuis, des filles que je connais depuis des années et des années. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arbitrer le maximum les féminines. Voilà. Moi, je voulais dire que c'est vraiment un plaisir de les arbitrer. Et encore merci. Voilà. Il adore ses femmes, de toute façon, il ne peut pas s'en passer. On ne peut que le comprendre. Hein. Un petit mot quand même sur le joueur, parce que vous avez été joueur aussi. Vous taquinez un petit peu encore la boule ou pas? Un petit peu, mais un vétéran. Mais bon, j'ai plus trop envie d'aller au championnat de France en tant que joueur. Et ça me plaît d'y aller quand mon président m'envoie en tant que CDM, donc il n'y a pas de problème. Ça me plaît bien. Et après, je vais jouer un petit peu encore. Mais bon, à 74 ans, on ne peut pas prétendre aller au championnat de France, doublette, triplette ou mixte. Mais ça ne fait rien. Je vais me faire souffrir quelques-uns encore un petit peu. Encore vous un y, petit êtes, peu, vous y êtes allé très souvent. 9 fois. Hein. Ah, oui, 9 fois. J'ai fait 2 huitièmes de finale en triplette. Et j'ai fait une demi-finale au championnat de France au jeu provençal. Voilà. C'est bon. C'est un bon petit palmarès. C'est un bon petit palmarès. Voilà. Merci beaucoup, Denis Padena. Merci. Et bravo encore pour tout le travail du corps arbitral. Merci. Président. On va passer peut-être une interview. Elles se sont enfuies. Cécina, Laura et ouais. Et petit coup pour les finalistes. Et Goulard. Belle performance. Elles sont passées pas loin du... Je pense qu'elles auront l'occasion de se rattraper dans les années futures, puisqu'elles ont du talent. Oui. Et bon, ça c'est vraiment... Ça a failli, voilà. Ça a failli. Dommage. Dommage pour elles et bravo pour les gagnantes. Voilà. C'est toujours de l'expérience voilà. Donc, je leur souhaite, l'expérience engrangée. Je leur souhaite de passer à la Ligue maintenant. Bien sûr. Et voilà, d'éviter de ressasser un peu cette partie perdue et oui, de rebondir à la Ligue. Et avec... Il y a de l'eau qui passe sous les ponts et donc on oublie. Voilà, bon, il y a toujours des traces. C'est toujours délicat. Mais bon, les jeunes, et, enfin, pas pour parler de Cécina, elle a tout l'avenir devant elle. Oui. Hein? C'est exact. On va poursuivre, Ange. Allez. Je ne sais pas, tu vas braquer les caméras sur la suite des festivités et je vais te repasser le micro. Ok. Merci bien, c'est sympa ces interviews. On va essayer de. Ben, je vais vous laisser suivre ce quart de finale qui oppose. Alors là, par contre, attends, je vais te dire. Alors attends, je sais pas. Frédéric Pimenov, le frère de Jean-Marc. Frédéric, associé. Alors attends. Je vais te dire ça. Hein, voilà, alors Savarez et Patrick. Là, associé à. Face à Pignon Alain et Benassia Yassine. Donc en bleu, vous avez Pignon Alain et Benassia Yassine qui sont opposés à Moins Sartou, Fred Pimenov et Patrick Savarez. Allez, en attendant les demi-finales, je vous laisse regarder cette rencontre. Thank you.
Le patron est toujours en lice. Il est opposé à Julien Franza. 6 à 6. Et égalité parfaite, 6 partout, mais Franza 8, 2 points. 8, mène 6. Par 8 à 6. Eh, pourquoi pas. Je vais pouvoir avoir le sourire alors. Alors, Kioni, bien sûr, est associé à Chateau. Et Julien Franza, tu peux me dire Gaël Guillard. Gaël Guillard. Gaël Guillard, voilà. Pescadou de son pseudo, de son prénom. C'est un pêcheur dans la mer. C'est un passionné de pêche. Pseudo Pescadou. Tant qu'à faire. C'est comme ça. Quoi? Oui, oui, bon. Non, mais ça va la Ligue. Oui, oui. Je vois pas faire. Non. Bonne équipe, hein. D'accord. 3 pour la Ligue, 1 pour la Ligue. Très belle équipe. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Rentre bien. Ouais. Ciao. Ciao. Ouais, je t'appelle, il est pas mort. Ouais. C'est dimanche. Samedi. Merci encore pour le voyage. C'est la Provençale, c'est sur deux jours. Non, samedi. Ouais. Pour samedi, parce que dimanche, normalement, je suis tout seul. Pas de problème. Allez. Elle va durer cette partie, je pense. Benassia Pignon mène 5-0. Il est 20h. Paris s'éveille. Nice s'éveille. À 5h du matin, si vous voulez donner un truc pour la leg, je mets l'annonce, tu vois, à 5h du matin. Ouais. Et je vois un appel sur Facebook du jeune Chris. Il est quelle heure? Ouais. Et je dis, il avait oublié d'avancer sa montre. On s'éveille. Tu consultes à les amis. Tu consultes à les amis. Et que ton réveil n'est pas à l'heure. Appelle-moi. Oh, tu m'as vu. Beau carreau de pignon. Moi je suis bien, j'ai pas du tout. Jérôme Bottero et Laurent Rossi sont opposés à Pino Goretta. Je vois 10-6, mais je ne sais pas qui.
je vais vous dire ça. Ouais, Jérôme pointe de tête. Laurent Rossi au tir. Vas-y, Pignon au tir. Un peu court. Nadia Jabri a déjà mis son, sa victoire sur Facebook. Vous pouvez la consulter. Très beau point de Yacine Benatia. Ciao, ciao. Au revoir. Et bravo. À bientôt. J'ai pas eu d'un c'est final, non ouais, c'est fou ça. Deux points supplémentaires pour Pignon et Natia.
qui mène 7-0. Ah, on questionne l'arbitre. Il a lancé le but est reculé un peu. Au lieu de le poser, là, il l'a envoyé. Il y a des jeunes, ça qui est bien aussi. Hein. Pino Goretta a gagné. Bravo. Il a battu Botero Rossi. Bien joué. C'est Gomez, hein? Quoi? Château-Chioni ont perdu contre Julien Franza. Ah oui, ils ont fait une belle partie. Belle partie, bravo. Ouais. Nous allons avoir la première demi-finale des hommes. On va la faire jouer là-devant. Oui. C'est les deux équipes du Duc qui tombent l'une contre l'autre. Impeccable. C'est le Duc qui gagnera. Mais de toute façon, les deux sont de toute façon assurés de la Ligue déjà. Oui. Et les autres Et les autres, donc il y a Goretta avec le titre du 15e et le score ici, on attend. Il vient de partir pour Pignon. 7-0 Pignon. Benatia. Donc on va pas jouer la première demi-finale ici. Vas-y, oui, volontiers. Et la deuxième demi-finale. Donc lorsqu'ils font. Je vais faire jouer. Tu peux en mettre un là et un là. F et D. C'est pas grave. Hein? Ah ouais. Comme ça, si une est finie, on bascule. Ça, ça, c'est... Mais c'est parfait. Moi, je voulais pas vraiment. Leur donner de l'espace, mais effectivement, impeccable. On fait jouer les deux demi-finales, tout, et on fera jouer la finale au milieu. Absolument. Ça te va impeccable, comme ça impeccable. Voilà. Alors, on va faire jouer les demi-finales dans les carrés, c'est-à-dire une de chaque côté. On fait tout jouer dans le carré, comme ça, on a la caméra. Et la finale, on la fera jouer sur le terrain du milieu. Et le but, on avait trois jeux. Pour la finale. Non. Pour les demi, non, tu veux pas. Et non, les demi-finales, on les fait jouer. Donc ils ont un jeu. Là, ils ont un jeu de chaque côté. Le jeu du milieu, il va être libre. Donc ils auront deux jeux, quoi. Ils auront un jeu et demi, quoi. Là. Une demi-finale, tu vas non, là, sur le terrain, oui, là, voilà, ouais. Par rapport à la caméra, comme il va filmer, on voulait faire filmer pour qu'il puisse filmer. Le F et le D, ouais, c'est ça. Et le E, on garde pour la finale. Le E, ils auront tout le carré pour la finale, en mettant le terrain du milieu. Ça va comme ça. Impeccable, les belles planifications de Anne-Laure Le Colonier, qui nous propose les deux demi-finales sur le F et le D. Terrain que nous avons en face. Ouais.
matin, je me lève à 5 heures. Et on en suivra une au hasard. Je dirais celle qui mettra sur le F. Alors, et si celle-ci se termine avant, on basculera sur le D automatiquement. On va voir, hein. Oui, c'est ça. Dire. Eh ouais, c'est ça. On ne peut pas les faire partir en même temps. Les faire partir en même temps ? Comme vous voulez. Mettez-la. On peut partir en même temps, les deux. À moins qu'elle a fini, qu'elle en finit plus là-bas. Tu sais, regarde ce qu'ils nous ont fait, la remontée qu'ils ont fait. Hein. Ils étaient 3 à 8, 3 à 10 et tout à l'heure, ils sont remontés, ils ont gagné 13 à 2. Hein. Ça peut. J'ai mon épi, je les adore, mon épi 2. Allez, on va laisser planifier l'affectation des terrains. Et on basculera dès que c'est fait. La première, parce que peut-être avec un peu de chance, tu m'auras l'idée. Allez, ah, hein, volontiers. Ah oui, volontiers. Hein? Allez. Allez, on va lancer alors la première demi-finale. Allez. Impeccable. Nous allons jouer la première demi-finale. Les deux équipes sont d'ores et déjà qualifiées pour la Ligue. Sur le terrain F, François Julien Duc-Denis, contre Savona Antoine Duc-Denis. Voilà, donc on va basculer sur la première demi-finale opposant le Duc contre le Duc. Donc Savona Guigonis contre Julien Franza. J'ai oublié le nom du partenaire.
Voilà, Julien Franza, associé à Gaël Guillard. Thank you.
Eh bien, il est parti. Nous attendons sur le terrain F pour la mise en jeu de la première. Oh, alors. Que casse ça, ouais. Merci. Là, c'est un direct. Oui. Non, c'est quoi si le but 2 ou 3 fois et si tu fous la gueule des gens, chaque fois il y a 5,90, il le revient où il veut, 5,91, il attaque au bout d'un moment, il casse. Et sinon, c'est pas le joueur. Oui, oui. Ça, c'est clair, je veux dire, en fait, il est ils sont en train de bouffer, nous on attend. Non, mais non. Non, on est bien là. On est fatigué. 20h26. Déjà, je vais me faire ramener par quelqu'un d'autre. Où tu vas? À la Trinité. Hein. Ah, je te ramène alors, non? Bah, je sais pas, après, je sais qu'il y a Joël Rubio qui va en train de se ramener. Ah, mais genre, oui, oui, il va là-bas, oui, oui. Moi, je suis à Nice. Ah oui, Joël, il va là-bas, il va apparemment. Bah oui. Allez, Pignon Benatia mène 9-5. On revient côté Savarese. Allez, on va abandonner cette partie, désolé, on va s'orienter vers la première demi-finale qui va opposer les deux équipes du Duc, Transat Julien et Gaël Guillard contre Antoine Savona et Jordan Guigonis.
Allez, on va récupérer. On va voir. Attends, on va voir quel but ils ont. S'ils ont un but foncé, ça va. Antoine, vous avez quoi comme but, Antoine? T'en as pas? Là. Une à la première, là. Elle en démarre une maintenant. Pose-le, dis. Antoine, pose-le par terre pour voir. Ouais, ça va, ça va. Antoine, mets-le loin. Oui. Sortez de, je vois pas. Tiens, essaye celui-là. Allez, on va assister à une belle première demi-finale. La jeunesse prime. Le deuxième. Alors pour la petite info, mon cher ange. Oui. Bon pour Gaël Guillard, c'est la première fois qu'il arrive en demi-finale d'un qualificatif. C'est quand même un beau parcours pour lui. Ouais. Avec Julien Franza. Bon, lui il est habitué, mais l'anecdote avec Gaël Guillard, c'est qu'en 2009, en triplette, on s'est qualifié en Ligue avec ce bonhomme qui pointe aujourd'hui. Mais c'est bien. Et le troisième, c'était Philippe Clémenti, que je salue. Parfait, beau voilà, message. C'était pour la petite anecdote. Très bien, beau message. En 2009. Oui, hier. C'était hier. Allez, on démarre.
pour cette demi-finale. Jordan Gigonis au point. Et on démarre en fanfare, but à 30 sur le côté. Le voilà, Gaël Guillard, pour sa première demi-finale. Bah, il a dû faire un beau parcours pour arriver là quand même. Oui, oui, quand t'as bien, il est doué, c'est un garçon. Bon, Julien Franza est plus connu. C'est un garçon qui est très adroit, très doué. Et... voilà, il commence par un petit devant. C'est bien joué. C'est mérité. Antoine Savona au tir. Boule frappée, rebondit sur la sienne, on fait carreau. Donc ces deux joueurs sont capables de pointer ou tirer de tête, hein. De temps en temps ils tournent. On en aura peut-être l'occasion de le voir. Je pense qu'il est un peu passé. Donc la deuxième demi-finale n'a pas démarré encore, bien sûr, il y a toujours un quart qui se joue. Bien pointé de la part de Guillard. Allez, Antoine Savona au tir. Très beau palais, bravo, deux points par terre. Julien Franza à son tour au point. Très beau point, bravo. Carrément devant le but. Antoine Savona pour son troisième tir. Assez frappé, le but est parti, mais le point reste pour Julien Franza. Gigonis à son tour. Au tir, je suppose, oui. Pas droit. Benatia Pignon dans le quart de finale qu'on a quitté tout à l'heure, mène 10 à 5. Très très bien pointé, bravo. Allez, Julien Franza, je suppose, va partir au tir. Juste pas droit. Thank you.
Un point pour ouvrir le score pour Julien Franza et Gaël Guillard. Un jeu. Julien Franza a demandé s'il avait deux jeux, mais il a un seul jeu parce que si on fait démarrer la deuxième demi-finale, il sera sur le terrain D. Allez, Gaël Guillard au point. Un peu court. Jordan Guégonis au point à son tour. On s'est gagné. Très beau point, bravo. Juste devant le but qui envoie Tad Savona au tir. Belle frappe, bravo. Belle boule encore, bravo. Superbe point. Bien frappé, bravo. Ces boules sont en jeu. Il compte. Vous les voyez sur le côté gauche de l'écran. Bravo, bien pointé de la part de Julien Franza. Carrément embouchonné sur le côté, mais embouchonné tout de même. Allez, Antoine Savona pour son dernier tir de cette main. Allez, bravo, superbe. Deux points par terre. On salue cette année Boris Panek sur Bolstonet. De son pseudo cette année qui suit avec intérêt cette demi-finale Duc contre Duc. On le salue.
Gaël Guillard est resté court sur. Bien joué, bravo. Il est rentré à 2, superbe. Bien joué de la part de Franza. On va partir au tir à côté Gigonis. Allez, on tire pour 2. Voir plus si le but démarre. Très bien tiré, 2. 2 points pour l'équipe Savona-Gigonis qui mène 2-1 face à Franza Guillard. Allez, petit 6 mètres, 6 mètres 50. Superbe point de Jordan Gigonis qui envoie Julien Franza au tir. Belle frappe, fait passer. Très beau point à nouveau. 20-30 derrière. Donc là, on prend l'option de pointer. Bravo pour Jordan Gigonis, petit devant, suite au beau point de Gaël Guillard. Franza pour un tir difficile, bravo. Palais,
2 points par terre. La boule de son partenaire est restée en jeu. Bien joué, mais on est passé de la première, je pense. Tu me dis juste pas du matin. Hier, on avait dit on faisait pas ça. Non, encore lent. Je pense qu'il laisse un point. Va terrier derrière pour deux. Non, un peu haut. Allez, deux boules en main encore pour Gaël Guéard qui peut pousser cette boule. Voilà qui est fait. Deux points. Et encore une boule pour accentuer l'avance. Voilà qui est fait, bravo. Trois points supplémentaires. Donc ils prennent la tête pour mener 4 à 2. Allez, Gaël Guéard au point, bravo. Point à 40 sur le côté gauche. Jordan Guigonis au point. Non, un peu court. Dans le quart de finale que nous suivions tout à l'heure, Pignon Benatia mène 10 à 7 face à Savarès. Un pas droit pour Julien François. Sort le but quand même. Thank you.
Oui, Michel. Oui. Hein. Le quart de finale est de non mais de Benatia, c'est ça? Mais il roule toujours 10-7, ouais. Bah dis, tu rigoles, non? Allez, à tout à l'heure. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Vous voulez me demander la truc. Alors, est-ce que tu peux répondre à un Wolfenot qui s'appelle Abijoueur et il demande juste une petite remarque, est-ce possible d'avoir une qualité un poil meilleure envers d'image de 480p ou 720p? Oui, c'est bon. À combien, là? On est à 720, mais c'est là le débit qui est. C'est le débit. Oui. Internet, d'accord. Il faut voir. On n'est pas en fibre. Non. Voilà. Mais. Tout à fait. Peut-être que dans ces autres, on y passera. Ah ben, peut-être. C'est toujours une question d'argent. Hein. Casquette pour Julien Franza, mais je pense qu'il a fait le point quand même. Les Gigonis au point. Très beau point, bravo. Oui, c'est ça. Oui, c'est Yassine. Oui, ça, c'est. Et puis même off, Frédéric de Bonsoir. Tu les veux? Non, c'est bon. Yacine avec. Yacine avec. Attends, Pignon. Oui, Alain. Ah, un peu long pour. Jordan Guégonis. Bien pointé de la part d'Antoine Savona. Boule de tir pour Julien Franza. Très beau palais, beau recul. Allez, une boule pour Savona, deux boules pour Gaël Guillard. Thank you.
Bien joué, deux points. Je suis impressionné parce que j'allais au moins, ils ont déroulé un jeu là, les deux. Là. C'est le bonjour, on va dire. Celle-ci, oui, doit compter 3 points, je pense. Ouais, 3 points pour l'équipe Franza Guillard. 4 points. Non, 3 points. 3 points supplémentaires et il mène 7 à 2. Ah, le duc, de toute façon, le duc encaisse 9 points là. Je peux être chauvin là ou pas, François ? Je peux être chauvin là ? Tu peux. Merci. C'est très marrant. Allez, tiens, petit message pour Michel. La rencontre Benatia Pignon contre Savarès Pimenov, toujours 10 à 7. Le but a démarré, on joue à 15 mètres, 14 mètres puisque les terrains font 15 mètres. Belle frappe en Savona. Sa boule, les deux boules sont restées en jeu, mais celle de Savona est plus proche. Voilà. Deux points pour concernant la le quart de finale que nous suivions tout à l'heure. Deux points supplémentaires pour Benatia Pignon qui mène 12 à 7. Non, mauvaise frappe. Grigoni, c'est parti. Non. Non, il est là-bas. On va bien jouer, c'est gagné ce coup-ci. Superbe point de Gaël Guillard, bravo. Mmh.
ça monte. Non, juste passer pour Antoine Savona. Allez, on part au tir. Ah non. Belle frappe. Palais. De superbes points. Une boule encore pour Jordan Vigonis. Trois boules pour Julien Franza. Non, pas du tout. Oh, je ne suis pas du tout. Oh là là, très beau carreau de Julien Franza. Superbe. Belle frappe également de Gigonis, bravo. De beaux points. De boules pour le gagner. C'est ce que vient de dire Julien Franza. Ouais, je pense qu'il est rentré. Il a dû rentrer. Oui, s'il pointe, c'est qu'il est rentré. Un point. Bravo, bien joué deux fois. Superbe. Deux points supplémentaires pour accentuer leur avance et mener 9 à 2. Bravo, bien joué. C'est l'eau sur Disney. Oui, c'est ce que je veux. C'est pas grave. Oui. Tu peux lui mettre de ma part. Pas de problème, c'est la fatigue qui part. Non, non. Voilà. Là, Michel, je vois que tu as mis un message sur Boulisnote. Désolé, mais
commence à fatiguer là. C'est... Allez, toujours 12 à 7 dans le dernier quart de finale. Tapant gagné. Allez, Pignon a tapé gagné. Voilà qui est fait. Elle fait un joli temps. Une victoire de Yassine Benatia. De Pignon Benatia contre Savarez Pimenov. Qualifie pour les demi-finales. Beau tir de Julien Franza. On tourne toujours pas côté Grigonis Savona. Je vous rappelle, ils sont menés 9-2. Oui, oui, j'essaie de faire. Oui, tiens. Regarde. Je pense qu'il est resté court. Mesdames et messieurs les spectateurs, je vous rappelle que vous êtes interdit de fumer dans le grand débat. Quel terrain est moins le jeu? Voilà, c'est gagné. C'est mis un peu en contre. Il préfère faire pointer Guillard. Parce qu'en tirant moins, il va, en tirant bien, il va embarquer la sienne, ça c'est sûr. Allez, comme la boulette est un peu derrière, il peut le gagner en contre, pourquoi pas. Ah, il est long, il est long. Ouais. Voilà, il a eu le compte sur la première. Je pense que la deuxième est peut-être restée en jeu. On va mesurer. Le point était gagné par Antoine Savona.
Je pense qu'il a dû rentrer à 2. On va s'en assurer. C'est gagné. Allez, Antoine Savonin au tir. Belle frappe. Une boule à jouer pour Julien Franza. La deuxième demi-finale va opposer dans 10 minutes Pignon Benatia qui seront opposés à Louis Goretta Pino et Gomez François Tito du 15e corps. Julien. Allez, dernière boule pour Antoine Savona. Raté. Elle valait 2 points. 1 point supplémentaire pour Franz Aguillard qui porte le score à 10 à 2. Allez, Gaël Guillard pour un but qui est à 9 mètres à peu près. Il est là. Allez, beau point en bouchonnée de Guillard. On a tourné, ça y est, Grigonis au tir. Très court, mais c'est frappé quand même. Le point reste à Guillard. Je vais baisser un peu pour que vous le voyez. Voilà. Bravo, très beau point de Antoine Savona. Thank you.
Je vais les appeler parce que pour finir 13 et les 20, j'allais lui donner 5 minutes. Ah non, je vais les dire. Franchement. Bien joué de la part de Guillard, bravo. Je sais pas s'il a gagné. Non, apparemment non, mais le point est déjà beau. Allez, on va partir au tir côté Julien Franza. Et ça doit suffire. Allez, au tour de Gigonis. Tire le couple. Devrait faire marteau. L'assiette devrait rester. Très belle frappe, bravo. Deux boules pour Julien Franza. Nous avons la visite officielle de Antoine Chortino. C'est incognito, c'est rien, oui. Ah, bien joué, juste court. Bien joué. C'est poussé pour Jordan Gigonis, bravo. Point par terre, deux boules à jouer pour Antoine Savonin. Je l'ai nourri toute la semaine. Superbe point, bravo. Il a bien contourné les boules. Heureusement qu'elle est courte, deux quand même. Deux points. Allez, on réduit le score. Ils ne sont plus menés que par 10 à 4. Qu'est-ce qu'ils ont à démarrer ?
Lyon. Allez, Antoine Savona au point. Superbe point, bravo. Point à 30 devant le but. On va tirer, bien sûr. Pas droit pour Julien. Il était un peu long, la boule a fusillé, heureusement que c'est empalé dans la boule. Maintenant, si Julien Franzard pousse la blanche, il sera beau. Ah voilà, bien frappé, mais le but a démarré. Main annulée. Très beau point de Antoine Savona. Sur le D, la partie deuxième demi-finale va démarrer. On va opposer Benatia Pignon à Goretta Gomez. Beau point entre temps de Gaël Guillard. Allez, on va partir au tir côté Guigonis. Belle frappe, bravo. Ça va donner le but rouge à quoi pour non, pas droit pour Julien Franza. Thank you.
Oula, c'est bien redressé cette boule. On peut repartir au tir côté Franza. Non, coup de main au départ. C'est nerf, on fatigue. Bien joué. Il a avancé la boule de Guillard. Allez, deux boules dans les mains de Grigonis, deux dans les mains de Savona. On peut jouer la grosse main. Exploser les deux, bravo. Bien tiré. Allez, on tire à deux côté Grigonis. Tire la boule noire qui est au milieu, les deux blanches. Oh là, juste passer au fil. Allez, Antoine Savona tire pour deux. Voilà qui est fait. Deux points supplémentaires, portée de score à 10 à 6 pour l'équipe Franza Guillard. Oui. Quand elle est finie, c'est là. Sera impossible. Il n'y a plus rien. Hein? Non. Le but est bon, allez.
Bien joué, bravo. Juste devant, il a sauté, on se demande comment c'est possible. Casquette. Bravo, superbement bien joué. Bravo Julien Franza qui vient de jouer sa troisième boule. On va laisser tirer Pinot. Je ne vois pas le panneau d'affichage du terrain D. Pas faux. Bizarre. Il n'y a pas de terrain d'affichage au terrain D. Allez, on va laisser tirer Pinot. Non, très court. Allez, on va faire mettre un tableau d'affichage au terrain D parce que non, première boule de tir pour Milliard. En fait, effectivement, c'est le bout de la journée. C'est un monstre. C'est dans la... Je sais. Non, là, il est un peu long. Allez, on va essayer d'en profiter côté Savona Gigonis. On va tirer cette boule devant, très dangereuse. Et après, on verra. Quatre boules en main, ça peut être cher. Hein. Un point par terre. Bien joué, deux. S'il glisse les deux autres, on reviendra à égalité à 10. Faut attendre. Voilà qui est fait. 3 points. Il y a quand même 4 points. Voilà, égalité parfaite.
10 partout. On prend les paris là, les dames. 1-0, mais je sais pas pour qui. Moi je pense 9,70. Combien? 9,70. Tous les paris sont perdus. Alors on va mettre un 7 mètres. Allez, on a fait mettre un marqueur sur le terrain D. Il y a 1-0. Et on a le temps de voir pour qui. Beau point pour Guillard. Allez, Gigonis au tir. Beau point à nouveau pour Guillard. Jordan Guigonis au tir à nouveau. Très beau carreau, bravo. On est dans le fameux, hein, Xavier. Moneta, une fois de plus. Eh oui. Il est toujours présent. 10 partout. C'est, il est fidèle comme la Mireille Corrette. Et ça se confirme. Bien joué, bravo. 3 fois bien joué de la part de Gaël Guillard, bravo. Oh, dommage. Devant, mais il saute. Allez, 2 boules pour Antoine Savona. 3 boules pour Julien François. Ouh là là. Ça se complique. S'il fait pas palais, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir là. Trois boules dans les mains de Julien Franza pour conclure. Alors,
ouverture du score pour Yacine Benassia. Benassia, ah, c'est lui qui était mené, voilà. Donc, à 4 points dans cette mène, il mène 4-0. Benatia, Pignon, 4-1. Oui, pardon. Et non, elle est restée court. Julien est resté court, court, court. Deux points pour l'équipe Franza Guillard. Ils ont raté le coche, mais bon. Pour mener 12-10. Allez, Guillard au point. Superbe point, bravo. Mauvaise frappe. Allez, on va tirer une fois la boule, je pense, et puis après on verra. C'est frappé. Superbe point de Guillard, bravo. Il a fait son jeu au point quand même. Hein. Oui. Tiens bien. C'est mis juste derrière le but. Et non. Et je rajouterai même qui m'impressionne aujourd'hui. Ah. Son jeu au point. Bon. On le sait capable, hein, et, comme j'ai dit, il est doué. Mais là, il est vraiment régulier. Allez, là, il faut penser à penser. Il pense plus au but qu'à la boule. Voilà. Carreau, but, le but à gicler. Ouf. Doit souffler. On est dans le monnaie drop là. Ouais. Là on est plus.
c'est le. Ah ouais, 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 là c'est. On va voir Laurence Broccolini arriver. J'ai pas compté les mêmes. Peut-être qu'on est dans la. Non. On est peut-être dans la. 150, presque. Oui. Pas mauvais le point. Trop long. Il en veut encore une. Ouais. Je sais pas où il est monte pas assez. Dans le sur le terrain D, dans l'autre demi-finale, Benatia Pignon mène 6-1 face à Goretta Gomez. C'est frappé par Jordan Gigonis. C'est quoi le score là-bas? 6-1. Pour Yacine et 1 pour Tito. Ça paraît un peu long, mais on gagne le point à chaque fois, c'est bien. Aïe aïe aïe, même s'il a gagné, ça va être délicat. Oui, il a gagné, mais c'est pas le summum. Boule derrière à 80 à peu près. Et Guillard continue son petit bonhomme de chemin. Travail de sape. Trois boules en main. On va pointer, on va tirer le but. On pointe en direction du but. Et voilà. Effectivement, une seule cartouche. Tous aux abris. Allez, on va faire de la sciure, allez, les copains. Du moins, on va essayer. Oh là là, juste passé. Le but, il a baissé la tête. Ouais. Oh, qu'est-ce que tu l'amènes? Tu joues un peu le but, tu l'amènes à ces trois boules. Hein. De toute façon, tu es obligé de jouer les boules. Hein. Hein, tu es obligé de jouer les boules, le bien sûr. Ah, c'est un mot clinique. Oui, mais bon. Pour embouchonner encore, hein, attends.
Eh, mais il va dans les boules derrière. Attends, ils sont guignards. Hein. Alors, le gagnant contre sur la noire, bon, enfin, il n'y a pas beaucoup d'échappatoires, à mon avis. Je vais ah, il va jouer le but derrière. Il va jouer le but pour les deux boules derrière. Ouais. Et encore, même s'il joue le but, il est condamné, c'est pignon Benatia. Même s'il joue le but, il est condamné à en faire deux. Ah, failli. Voilà. Victoire de Julien Franza, Gaël Guillard. 13 à 10. Ouais. Face à Antoine Sabona et Jordan Guigonis. Alors, je vais tourner la caméra directe vers l'autre demi-finale. Non, je vois pas. T'as la chasse. Voilà, comme ça vous pourrez suivre. Hein? Non, c'est parce que tu es trop bas. Tu vas commenter si tu veux. Ouais. Je vais te laisser un peu. Donc, je vous rappelle que dans cette demi-finale, Simon Benatia mène 6 à 1. Exactement, mon cher Ange. Tu as le droit de faire une petite pause syndicale. Je prends la relève. Alors, dans cette quatrième mène, comme vient de le souligner Ange, Yacine Benatia et Alain Pignon mènent 6 à 1 devant le jeune Gomez, François dit Tito, et il est associé à Goretta Louis, tous deux du 15e corps. Et c'est Louis qui tire. Et c'est frappé. C'est poussé. Bon, une... Ils ont eu quelques déchets, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu malmenés là. En face, il y a la grosse expérience de Yacine Benatia. Mais les jeunes ne sont pas en reste. La preuve, c'est qu'ils sont en demi-finale quand même de ce championnat doublette senior masculin. Et ce n'est pas rien. Allez, le jeune Tito est rentré, il me semble, non? Je vois que personne ne bouge. Ouais, bah c'est normal parce qu'ils ont plus de boules, donc à mon avis, il est rentré. Hein. Tito qui, en 2009 et 2011, a été champion de France minime. Il était associé Alexandre Ogier et Vincent Azevedo. En 2011, c'était à Beaucaire. Je crois qu'il a rajouté. Il n'y a rien qui gêne. Allez, on le mesure, on regarde un petit peu où on en est. Il reste encore une boule dans les mains à Louis Goretta. Pour essayer de remonter un petit peu dans le score, ils sont un petit peu à la traîne. Hein. Je rappelle, ils sont menés. Allez, c'est parti pour un tir. Je pense qu'il s'est envolé. Je vais faire du Daniel Leclerc dans le texte. C'est là, la tour de contrôle de l'aéroport de Nice. Ils l'ont vu passer sur les radars. Voilà.
Ça, c'était pour le petit clin d'œil à Daniel Leclerc. Vive la retraite. Hein. Allez, cinquième main. Et vous êtes quand même 117 personnes à nous suivre fidèlement là. Chez vous, installé bien confortablement devant votre PC. Ça nous fait plaisir, les rendez-vous Web TV du CD06. Ben, le prochain rendez-vous, ce sera le 1er avril. Et ce n'est pas un poisson, ce sera pour la doublette mixte. Allez, un très beau point de Tito, de François Gomez. Et ils sont menés 3 à 6. C'est manqué pour un pignon. Alors qu'ils sont faits, on y retire. Ou on pointe. À mon avis, ils vont y retirer. Allez, c'est reparti. Et c'est frappé, bon, il s'est cadré, enfin voilà, sa boule elle reste dans le jeu, donc c'est à l'équipe du 15e corps de pointer. Très bon point sur le côté de Tito. Bon, ils réfléchissent quand même hein, parce que ils savent que s'ils la mettent belle, ils peuvent subir la foudre de ces jeunes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attaque, on casse. Eh ben voilà, Yacine il a tranché. Et Alain Pignon s'exécute pour le tir. C'est manqué. Bon, ben là, ils sont condamnés à pointer. Pointer face bouchon. Mais je vois pas d'autre solution. Enfin. Disons que moi, je vois pas d'autre solution. Maintenant, eux, peut-être, ils vont trouver une autre stratégie de jeu. Ah, Yacine, il en perd les boules. Ah, il y a encore un sac de boules dans les bras, dans les mains et les bras des jeunes joueurs du 15e corps. Yacine va tirer au but, je crois. Ah non. Je pensais qu'il allait tirer au but, ben non, en fait, non. Ben voilà, ben un petit palais avancé. Ok. Allez, Tito a un petit peu de place pour pouvoir entrer et faire une belle reprise. Et c'est fait, encouragé par son coéquipier, Louis Goretta. Allez, bon, on va continuer à tirer, à mon avis. C'est manqué pour le joueur du Canet Eurosport, Yacine Malassia. Ouais. Il était vraiment pas droit.
Je pense qu'il a dû regagner. À mon avis, ils vont en tirer, voilà. Et c'est frappé. Par contre, ça joue vite. Ça joue très vite, je trouve. Mais bon. Chacun son rythme. D'ailleurs, Tito lui fait remarquer. Hein. Tu pourrais faire l'effort. Bon, à mon avis, il doit y en avoir que deux. On va voir. Ouais, exactement. Deux points de plus. Ce qui monte le score à 5 à 6 pour François Gomez et Louis Goretta. On attaque la 7ème main. Avec une distance moyenne, il va y avoir 6-7 mètres. C'est un risque de jouer court, surtout sur ces jeux. Et puis avec la puissance de feu adverse. Sachant que Yacine aussi touche sa bille hein, au tir, puisque on le connaît justement pour le tir. Allez, elle a un pignon. Et c'est frappé, c'est cadré. Une belle boule sur le côté. Allez, le jeune Gomez, je crois qu'il y a son grand-père qui est pas loin. Il le suit, et puis son père aussi. Et c'est bien repris pour le talentueux Tito. Très très belle frappe encore dans la pignon. Il y en a deux par terre pour l'équipe du Canet Sport pour le moment. Ah, ils peuvent en faire 6 comme ça. Hein. La distance s'y prête. Le tout, c'est de concrétiser. Encore une belle reprise. Allez, on retourne au pas de charge sur le pas de tir pour aller à un pignon. Allez, on prend son temps. C'est pas droit. C'est pas droit. S'il avait été droit, alors il aurait pas ramassé non plus. Sa boule a fait un saut de cabri là. Et il s'en va un peu. Elle était importante, on va dire. Quoique toutes les boules sont importantes. Ceci dit en passant. Cela comptait. Allez, Yacine. Pareil. Il a fait le même tracé que son coéquipier. Bon. Et ben, un petit peu de répit pour l'équipe du 15e corps. Ils étaient sous la douche, comme on dit. Hein. Allez, encore un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à casser des points et on regarde les scores. Bon, pour le moment, il n'y a pas danger. Hein. C'est pas comme s'il y avait 10. Allez, il va pointer. Il regarde par terre.
Zoom sur Tony là-bas. Tu le vois, Tony là-bas? Le grand-père. Ouais. Alors, on va faire un petit gros plan sur le grand-père. Voilà. Tony, notre ami Tony, fidèle, il le suit pas à pas, son jeune Tito. Allez. Un homme en or. Et par contre, le papa, je sais pas s'il est dans les parages. Allez, on retourne sur la partie. Alain Pignon, on tire. C'est pas droit. Ah, lui, il enchaîne, hein, il joue très très vite. Pignon, il enchaîne. Mitraillette. Ah, oui, c'est une sulfateuse même. Hein, c'est. Il joue très très vite ce garçon, je trouve, mais bon. Alors, deux points de plus, je crois. Eh ben, il prend le maillot jaune, hein. Donc 7 à 6. Ils prennent le maillot jaune pour cette 8e main. Les jeunes joueurs du 15e corps. 7 à 6. Ah, alors je sais pas s'il est bon ou alors il est très court. Hein. Il y a vraiment un 6 mètres. Ouais, 6 mètres et quelqu'un. Il joue très très court. Ah, je crois qu'on est tourné du côté du Canary Sport. C'est Yacine Menassia qui a pris la main pour le tir. C'est manqué. C'est manqué, c'est pas droit. Et c'est frappé, c'est cadré. Bon. Ça laisse de la place à Tito. Voilà, qui refait sa donne. Pour le gagner facilement. Ah, alors les derrière, on se conserve, qu'est-ce qu'on fait? On attaque ou alors on tente un petit devant? Ils sont tentés, hein. Qu'est-ce qu'on fait là? Telle est la question. À quelle heure il est là? C'est la question de 22h12. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le grand panneau. Arrivé à mon... Merci Ange. Arrivé à un moment donné, on est fatigué. Eh ben c'est Yacine du coup qui pointe. Bon, il s'est tourné manège. Hein. Il a cherché peut-être le devant ou embouchonné. Allez, le jeune Pignon. Je vais faire un mauvais jeu de mots après. Oui. On dit qu'il a pignon sur lui. Oh, je l'ai fait. C'est pas lui, c'est... lui, c'est pignon. Ah oui, c'est vrai. Oui, tu fais bien de le rappeler. Ouais, à 22h12. Ça c'est Louis Goretta. Oui, c'est... Di Pino, voilà. Ah, je connaissais pas son surnom, tu vois. Ben, je te remercie. Je me coucherai moins bête. Voilà, le fameux pignon. La journée était très très longue. Il a eu un contre. Ouais. Mauvaise médaille dans la poche là. Hein. Là, c'est vraiment pas ce qu'il lui fallait. Hein. Décidément, très très compliqué là.
Allez, il lui reste deux boules en main pour essayer de rattraper. Et ça gagne. Elle est arrivée juste à temps, quand même. Bon, le jeu est court. Allez, donc le jeune Pinot. Peut-être. Allez, si c'est pas une, c'est à la deuxième. C'est frappé. Alain Pignon, obligé de le regagner. Et ça lui a pas posé de problème, il a très très bien pointé. Allez, un point de plus pour l'équipe de Yacine Benassia du Canero Sport, associé donc à Alain Pignon. Et ça fait une belle égalité partout, 7 à 7. Ça nous rappelle une belle émission de télé, ça, 7 sur 7. Avec Anne Sinclair, oui. C'était avant les frasques de Dominique. Oui. Ça me rappelle un beau sketch des Inconnus. Oui, exactement, c'est vrai. Je vois quand j'y commence à se lâcher, c'est la fatigue. Hein. Oui. Pardonnez-nous, hein. Il nous reste encore une belle finale. Oui. Je ne sais pas si on va réussir. On va la faire à deux. Oui, tout à fait. Pas de soucis. On va y arriver, vous inquiétez pas. En plus, vous êtes 110 à nous suivre encore. Merci de votre fidélité. On est très très heureux. Allez, le jeune Tito. Je me souviendrai toujours lorsqu'il est devenu champion de France minime à Beaucaire en 2011. Il a frappant gagné. Et il restait une boule encore à 25 Azevedo. Il tire, il fait casquette. Enfin, il tire et puis il dit « T'as gagné, fils !» en parlant de Vincent Azevedo. Ah. Et en fait, il tombe sur la boule, il fait casquette, mais il n'est pas champion de France encore. Et c'est Vincent Azevedo qui va au rond et qui tire et qui gagne. Mais c'était exceptionnel. Hein. Il y a eu une clameur et tout dans la foule. Enfin, il y avait Quintet, je me rappelle, en parrain. Ça rappelait Robinho quand il a joué avec Dylan. Il lui a dit « T'as gagné !» au moment où sa boule est partie. Viens là, mon petit Julien. Alors, j'ai Julien Franza avec moi. Dis donc, quel espoir avec notre ami le Pescadou et Gaël Guillard. Eh oui, c'est notre deuxième concours de l'année. On avait fait le qualif triplette, on avait perdu l'avant-bonne à 12. Et là, ben, on joue pas trop mal, il pointe bien. Jusque-là, j'avais pas trop mal tiré. On menait 10 à 2, ils étaient derrière, ils savaient plus quoi faire. J'ai commencé à mal tirer, ils ont bien joué, c'est revenu à la bataille. Heureusement que la dernière main, ils n'ont pas bien pointé. Oui, ils ont un petit peu souffert à un moment donné. Hein. Ils ont pêché un petit peu, ils ont manqué des mains. Ça a été un peu compliqué. J'ai vu Gaël, il m'a impressionné. Il a été régulier au point. On le connaît. Hein. Ouais. Super, comme je super disais, super je le rappelle, moi j'ai joué souvent avec lui. Et c'est vrai que bon, la pétanque, c'est un bonus hein, pour lui. Hein. Lui, sa passion, c'est la pêche. Exactement. Exactement comme moi cette année, j'ai pas encore fait un concours, j'ai fait que le qualif tête à tête et le doublette. Et franchement, c'est un plaisir de jouer avec Gaël, on a les mêmes passions, on se prend pas la tête, on gagne, on perd, ben, on va à la pêche le lendemain. Voilà. Ouais, on joue en amitié et puis voilà. C'est le principal. Bon, allez, on se retrouve en finale avec un joli titre au bout et puis. Peut-être un France. Un France, tu sais où ça se passe ou pas? Pas du tout. Eh ben, je vais te le dire. Allez, t'es sage. Oui, il y a le lac, on va pouvoir aller à la pêche. Laisse-moi faire mon travail, alors, merde. Putain, à quoi ça sert que je fasse des insomnies, moi. Voilà, bah, Souston, elle m'enlève le plaisir. Bah, ça fera peut-être un voyage. C'est dans le 40.
Et ça se passe le 9 et le 10 septembre. Et toc. Ah, la semaine après mon anniversaire. Voilà. Ah bah voilà, de quoi c'est... Si on y va, c'est on fêtera ça là-bas. Un petit coucou à Benko. Il se reconnaîtra. Je fais un gros bisou. Le Benko, normalement, c'est le matin, non? Ah, et le grand Benko. Ça marche. C'est Bruce Sonnet? Oui. Oui, je l'ai vu là. J'ai vu qu'il avait mis quelques notes. Ouais. Allez, on retourne sur cette partie. Bah, tu peux rester hein, si tu veux, hein, dans les parages. Hein. Tu déranges pas. Toujours 7 à 7. On est à la 9e main. Et il reste 2 boules à notre ami qui a pignon sur rue donc. Oui. Alain. Bon, on va arrêter avec les mauvais jeux de mots. Et c'est une jolie frappe. Encore une boule à Louis Goretta. Ah, je crois que... Je crois qu'il est un peu court, hein, ouais. Il a tapé dans les mains, là, il s'est dit, je suis court. Il était dans le jeu. Hein. C'est repris pour Yacine. Allez, encore une boule aux joueurs de Canaille Sport. Eh ben, je vais le ressortir. Il s'est empégué dans la boule du jeune Pinot, hein, de Louis Goretta. Il se l'est bien prise, celle-là. Ouais. Allez, on a allongé un petit peu, bon, et on approche presque des 9 mètres là, à vue d'œil. Par contre, ils ont oublié de marquer. Ça y est, Tito s'en charge. Un très bon point sur le côté de notre ami Yacine Benassia. Allez, 8 à 7 pour l'équipe du Can Aerosport. Une partie, ils se tiennent main dans la main, hein, tranquille. Ils pointent le temps, là. On a encore de la lumière. Ouh, ils décident d'attaquer. Hein. Ils ont décidé de faire un jet d'attaque sur cette distance. Les jeunes du 15e corps, c'est assez étonnant. Allez. Tito pour essayer de faire la reprise. C'est fait assez facilement. Il est vraiment bien dans sa partie, le jeune François Gomez. Allez, on part au tir. C'est pas droit, je crois que s'il avait... mis droit, il a envoyé au plancher celle-là. Mais ce n'est pas le cas. Alors la question se pose, est-ce qu'on y retourne ou pas?
Allez. C'était bien pointé hein, pour Yacine. Il lui manque un petit peu de dosage encore, je pense, mais elle est déjà pas mal. Je pense qu'ils peuvent attaquer, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Par contre, faut bien lever, à mon avis, parce que la première, elle est dans l'axe. Bon, enfin, ça fait une drôle de sauter. Et il tombe au pied, hein. Bon, il a frappé, c'est un joli tir quand même, il a bien monté le bras. Mais elle méritait mieux cette boule dans son tir, je trouve. Et le jeune Tito à la pointe, je pense que ça devrait pas trop lui poser de problème. Elle vient bien cette boule, elle vient très très bien. Il est voilà, ben, il est plus que dans sa partie là, il est vraiment dedans. Je pense qu'on va y retirer. On se pose la question quand même, hein. Ah ben non. Non, finalement on décide de pointer. On joue l'assurance. En plus elle est sur le côté, donc si il pointe bien, il peut faire quelque chose sur la boule de Tito. Affaire à suivre. Elle vient bien cette boule, elle vient bien. Il lui manque un petit tour encore. Mais elle est déjà vraiment très très belle. Allez, le canois à l'impignon au point. Pour essayer d'approcher. De serrer, de mettre une aussi belle boule que Yacine. Fermer un peu le jeu. Il court. Il court, il est court, il est court. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attaque de suite? Ouais. Allez, on fait de la place. Le jeune Pinot s'y colle. Ouh, magnifique tir, t'as pas le replay. Quel dommage. Ah là, j'aurais voulu un replay et là, Hervé Croza là. C'était un très très beau tir, elle est très bien montée. Bon, il a bien pointé deux fois. Ses deux premières boules étaient magnifiques, donc la troisième devrait pas trop lui poser de problème. Encore une boule qui vient bien. Hein. Bon, il cède un petit peu de Yacine. Il lui fait une petite tape sur l'épaule en passant. Allez, ils en ont deux par terre, les jeunes joueurs du 15e corps. Et une boule encore en main. Bon, court à la main. Eh ben, deux de plus. Allez, ils reprennent le maillot jaune, 9 à 8 pour François Gomez et Louis Goretta du 15e corps. Et on va attaquer le 11e, Ben.
Oula. Et il a essayé d'envoyer le but à la malgache. Là. Et... Je crois qu'il s'est un peu raté là. Ah non, il est bon, j'ai rien dit. Tant pour moi. Petite distance encore. Allez, alors qu'on attend le jeune Tito qui s'est absenté 2 minutes. Encore mille boules et je vais employer un terme de notre ami Ange, il fait un travail de sap. C'est vrai qu'il est beaucoup utilisé. Et quand on les tire à l'inverse et qu'il y a des pointeurs comme ça, ça fait mal. Faut avoir l'endurance. Hein. Sa boule est mal sortie de la main là. Bon, il va attaquer. Allez, une petite distance pour ce tir d'Alain Pignon. Non, court. Il va falloir faire attention. 9 à 8 pour le 15e corps. Il faut pas trop prendre risque, sinon on va vite prendre froid. Et ça peut coûter beaucoup de choses. Ah ben ils y retournent, hein. Allez. Doublé qui intervient au mauvais moment. Hein. C'est compliqué. Ça se complique pour l'équipe du Canero Sport. La question se pose. De boule en main pour Yacine. Ils peuvent attaquer le but. Ou on continue à aller sur la boule. Ouais, la boule. Allez, j'ai mis 203 comme on dit. Quoique non, là c'est même pas le cas puisqu'il a frappé. Il a fait un joli carreau. Donc, oui, s'il y avait eu 3 trous, effectivement. Oui. Donc c'est un joli carreau. Oui. Comme le dit si bien Ange, s'il fait la reprise de le jeune Tito, ça peut faire mal. Et c'est fait. Il lâche rien. Il est fidèle à lui-même. On va venir taper au moins une fois pour ne pas perdre. Faut retirer. C'est manqué pour Yacine. Et il passe, hein. Il est passé. Ouh, c'est-à-dire que là, ils ont assez dans les mains pour pouvoir en terminer avec cette partie et accéder en finale. C'est gagné.
En plus, il se met, il protège le but, hein, il se met devant, il le colle. Il ne peut pas mieux faire. Trois boules en main encore. Dans les mains de Louis. Et c'est fait, il y en a trois. Ben, il a deux boules en main pour mettre, pour avoir un billet en finale et rejoindre Julien Franza et Gaël Guillard. Non, c'est court. Et c'est... Aïe, aïe, aïe. Et ben, 12. Ouais. Là, je vois un léger sourire de sur le visage de Yacine. Je sais pas si on l'a vu à l'écran. Bon, forcément, il a réchappé à la correction. Donc, il est content d'avoir encore un sursaut de vie. Mais maintenant, bon, il faut faire attention. Allez, 12 pour l'équipe du 15e corps, à 8 hein, face au Canois. Et on attaque la 12e main. Très beau point de Yacine. Très très belle frappe de oui Goretta Di Pino. C'est regagné pour Yacine qui veut rien lâcher après ce sursis. C'est frappé pour Jeanne Pinault. C'est regagné pour Yacine. Un point correct. Je pense que. Alors, Tito n'a pas tiré encore. Hein. Bon, on sait très bien qu'il est. Ah, bah oui, c'est vrai qu'il reste encore une boule, j'avais oublié la troisième. Trois belles frappes du jeune Pinault, du 15e corps. Louis Goretta. Et donc je disais, Tito n'a pas tiré encore. Donc je le vois jeter deux boules là, sur le côté. Il se prépare. C'est repris pour le joueur du Canet Eurosport. Bon, il y a large, hein, donc. Allez, on s'encourage. Allez.
Il encourage fortement Louis Goretta. Oh, merveille. Vraiment, vraiment très très bien joué. Oh, il fait une partie extraordinaire, le petit Tito. Il a rien lâché hein, depuis le début. Hop. Allez, on part au tir. Petit carreau sur le côté, ça c'est fait. Encore un. Ah, il encourage. Hein. Bah, je pense qu'il doit s'en vouloir un petit peu quand même sur la main précédente. Hein. Il s'est laissé aller deux fois. Il avait les boules pour gagner. Bon, c'est plus facile à les rêver qu'à aller jouer. Ouais, Tito est capable. Ah, il est court à la main, il est court. Eh ben, un point de plus ou deux, on va le savoir. Ouais, c'est repris facilement. Eh ben, deux de plus. Ce qui monte le score 10 pour le Canet Eurosport à 12 face au 15e. Et on attaque le fameux money time. Voilà. Ah, je t'ai fait plaisir, hein, Ange. Je le sais. Allez. 13e main, précisément. Une partie qui a démarré gentiment, qui finit sur les chapeaux de roue. Hein. On ne sait pas comment ça va se passer, hein. Ni pour l'un ni pour l'autre. Exactement. Et d'avoir, je le répète, mais d'avoir raté un peu le coche pour Louis. Goretta, il peut s'en vouloir, mais bon, on leur souhaite pas. Hein. On est pas, on prend pas de parti pris, mais on sait comment c'est la pétanque. Allez, un point qui peut se gagner facilement, oui. Qui est largement sur le côté. Dans cette 13e main, le jeune Tito. À la pointe. Et c'est repris. Ce qui pousse pas l'équipe adverse à attaquer, hein, parce que bon, c'est derrière, donc il y a encore un petit peu de place pour pouvoir. Le regagner, voire faire un devant même. Et c'est regagné justement pour Yassine Benassia. Ah bah, voilà, vous avez pu le voir. Sur la web, un très très beau tir avec une boule très très bien montée qui reste cadrée en jeu et qui va se placer devant la boule de Yacine. C'est regagné pour Yacine de l'autre côté. Allez, le jeune Louis Goretta.
des étincelles. Extraordinaire. Je sais pas vous, mais nous, on se régale en tout cas. Hein. Et bah, vous êtes 120 là avec nous. Et ça fait plaisir. Pour cette deuxième demi-finale. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On est encore dans le dilemme, là, hein, parce que la jeunesse ne va pas s'en laisser compter, là, comme ça. Hein. Ils vont passer le... Oui. Ange, je sais pas si vous l'avez entendu, mais Ange dit qu'il pense sûrement au but. Là. Il peut l'exploser, c'est un but à Zané, donc c'est un but bouliste note. Voilà, c'est pour la petite précision. Hein. Si il se casse en deux, on prend le plus gros morceau. Hein. Ah oui, on se le garde en souvenir. Hein. En trophée, au moins qu'on ait un petit trophée pour ce week-end très très dur. Hein. Oui, allez, on prend l'option de jouer la prudence parce que là il y a quand même, je le rappelle, 12 pour l'équipe du 15e corps à 10 pour Yacine. C'était bien pointé, c'est bien pointé, c'est regagné. Ah, il sait pas, ils vont regarder, ils vont passer le juge, le maître. Allez, ça y est, ils font appel à un ami. Qui va gagner des millions. L'appel à un ami. C'est quoi l'appel à un ami? Vous voyez, qu'est-ce que c'est? 50-50? Exactement, ouais, bon. Il y a du métier. Déjà. Ah, bah, du coup, peut-être que monsieur l'arbitre va travailler, hein, parce que là, il commence à s'endormir. Non. Ah bah c'est... Il avait bien gagné, il a raison. Bah 3 sur 3. 3 sur 3. Et ça boule bon les sorties, mais 3 belles frappes. Ça laisse au jeune Tito 2 boules en main encore. Et puis une belle espérance. Ouais. Deux boules à deux. Alors, est-ce que... Est-ce que le jeune Tito va laisser cette opportunité? Ça m'étonnerait, hein. C'est un garçon qui en veut. Cours à la main, notre ami de Canero Sport, hein. Alain Pignon. Il est court, oui, pour la beauté du sport, oui, de le gagner. Et puis après, après c'est à Tito de faire lever la foule, comme dirait... Eh ben non. Eh bien voilà.
des applaudissements pour les jeunes du Duc du 15e corps, pardon, qui vont retrouver le Duc en finale. Alors, qualification pour la finale, donc le jeune Gomez, François Gomez, avec associé à Louis Goretta, qui retrouve en finale Julien Franza et Gaël Guillard pour une belle finale que vous allez suivre bientôt. Là, on va enchaîner, je pense, dessus dans 5-10 minutes, non, peut-être, je sais pas. Hein, le temps que les officiels, nos amis Bernard, je sais pas où ils sont partis, ils ont dû s'installer un lit de camp. Voilà. Donc, allez, restez fidèles un petit peu, et puis dans 10 minutes, on est de retour. À de suite. Hein.